Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur Gran Turismo. De base je voulais faire une vidéo sur Fortnite, y'a personne qui veut faire une vidéo avec moi. Bon, je me suis dit on va chercher dans les jeux que je pourrais faire une vidéo. Je vois World of Tanks, je fais yes. De toute façon y'a jamais de mise à jour, je vais pouvoir y jouer. La seule mise à jour, ça fait un mois que ça a duré. Ma PS4 elle voulait pas faire la mise à jour. Je fais bah super, ça commence bien. Bon, je me suis dit bon bah faire du Gran Turismo, même si il y a des mises à jour à faire, je peux les esquiver, t'as pas besoin de connexion internet. Bon, il n'y avait pas de mise à jour. Bon voilà, donc on va faire une petite course. Je pense que je vais mettre de la musique en fond. Attention, Jérémy, je te fais confiance. Jérémy c'est le monteur professionnel. Vas-y, tu peux mettre une musique. Voilà. Je ne sais pas quelle musique c'est. Ah, elle est bien celle-là. Hein. Bon, je ne sais pas quelle c'est. Bon, donc on va faire quoi comme circuit? On va faire... celui-là, j'ai envie de faire celui-là. Je sais pas. On va faire celui-là aussi. J'ai envie de faire, attends. Ah non, mais j'ai tout fait en débutant. Ok, bon, voilà quoi. Crépuscule, on va faire parce que la crépuscule, c'est bien. J'ai fait aussi une voiture, c'est une voiture Mario, donc dites-moi si vous aimez. Enfin, c'est moi qui a fait l'esthétique, parce que j'ai acheté en fait la voiture carrément. Donc moi, on va prendre... Je vais prendre celle-là. Auto. En automatique, bien évidemment. Et on va la mettre en auto et en débutant. Voilà, donc elle est assez jolie, je trouve. Elle est jolie, hein. C'est une petite Ford GTLM Spect e-Test Car. Donc au fait c'est une Ford GT mais qui a été modifiée pour faire de la course. D'où son nom LM2 Test Car. Voilà. Parce que sinon c'était juste une Ford GT numéro 1. Ou peut-être numéro 2. Bah, c'est pour ça qu'ils ont mis le 2. Enfin, je ne sais pas parce que je sais qu'ils ont fait deux modèles. Les deux premiers modèles se ressemblent un peu, mais moi je ne sais pas lequel est lequel. Alors clairement... Attends, je croyais qu'en fait... Attends, ah ok, je crois que c'était la voiture qui faisait... Oui, en fait c'est mon voisin qui coupe son arbre. Attends, oh, faut arrêter là Jean-Michel. Tu me prends pour un couillon ou quoi? Moi je fais une vidéo, je travaille, ok? Toi t'es en repos, tu laisses ma vidéo. Bon, petit souci, hein, problème de micro. Mon micro s'est désactivé. Ah, mon micro s'est désactivé, je disais. J'ai oublié de monter le son, donc vous entendez rien. Donc mon micro s'est Putain, ta gueule. Voilà, donc mon micro s'est désactivé, donc vous entendez rien. En fait, j'ai appuyé sur un bouton. Et donc, je me suis rendu compte tout de suite parce que, bah, en fait, il y a un voyant qui s'est éteint sur mon casque. Parce que c'est un... Dégage ! Oh putain, mec. Oh mec, je fais du drift. C'est quoi, mec? Attends. Quand je tourne, regarde. Mais je fais du dérapage, clairement. Ma voiture ne tient pas le coup. Mec, c'est une voiture de drift. Oh non, j'ai mis le réglage drift. Oui, j'avais réglé ma voiture pour faire une vidéo. Enfin, ouais, de base, c'était une vidéo. Je l'ai jamais fait, cette vidéo. Clairement, c'est parti en couille. Et de base, cette vidéo, en fait, c'était pour... c'était une vidéo drift. Donc, je faisais des trucs avec la drift. Je devais faire des drifts. Donc, du coup, ça sera ça. Du coup je pars en cacahuète. La musique elle a fait quoi là? Hein? Il s'est passé quoi avec la musique? Ouais parce qu'en fait le monteur Jean-Michel, bah en fait c'est juste que la musique est en temps réel en fait. J'ai juste foutu une musique parce que bah, en fait je fais zéro montage vidéo en fait. Hein? Parce que c'est trop dur, vraiment. Enfin. Si, je suis en train d'installer des applications, mais toutes les applications, je fais des bons, des trucs tout simples. Je coupe une vidéo en deux, après je fous des petites intros et tout. J'essaye de mettre sur YouTube, ça marche pas. Non mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait une vidéo normale. J'ai pris une vidéo qui était déjà sur YouTube, que j'avais déjà fait.
Et j'ai mis que des explosions. Hein, clairement. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Bah clairement, ça a foiré quoi. Putain, je suis dans l'herbe. Ouais, ça a foiré, donc ça veut dire que mes montages vidéo, bah je les sois du mal. Eh hey, vas-y l'autre, il... Dépassement d'un pro jeune. L'autre il a... Mais... Voilà, c'est mieux comme ça. Ok, Michel. Moi je suis pas là pour chialer. T'as compris la blague? Putain, moi je pars en drift, je peux pas trop freiner. Vas-y mec, je vais jamais rattraper le premier. Clairement les premiers ils sont tous là-bas, j'arrive même pas à les voir. Je m'en fous, je trace. Dès que c'est marqué freiner, je freine. Je vais hyper lentement, tu veux faire comment? Vas-y mec, ça me casse les couilles. Mais j'ai pas mis les bons réglages. Tu veux faire comment? La vraie vie, c'est un vrai monsieur qui s'occupe que de ça. Moi, j'oublie, ok? Hein? Parce que moi, je joue avec 500 voitures différentes. Hein? Et puis, bah, les courses, elles skippent très vite. La skip, je suis quatrième. Dernier tour. Bon bah, on va se dépêcher un peu notre queue, quoi. Parce que je discute, j'oublie la route, hein. Sale bâtard, va. Bah. T'aurais pas pu me prévenir. Attention, attention. C'est sa petite technique. Putain, je suis parti de nouveau en drift. Voilà, je suis deuxième. Maintenant, là, on va foncer dans l'autre. Vas-y, aide-moi. Putain, tu fais que des conneries. Alors, l'autre, en plus, elle se pointe devant moi. Nique ta mère. Ouais, voilà. Allez, hop là. Salut, hein. Il est parti où, ce con? Oh! Oh, merci! Mon pote Jean-Fred, c'est... Bah, en fait, il fait la course, mais il m'aide. Voilà, c'est mon pote Jean-Fred. Et là, regarde, on va tricher un peu. Parce que moi, j'ai pas le temps de ralentir. Voilà, moi, j'ai pas le temps de ralentir. Par contre, là, je vais avoir bien le temps de ralentir. Parce que les freins, je les ai mis... ça m'a coûté un bras, j'ai mis des bons freins. Non, en fait, j'ai amélioré les freins, c'est tout. En fait, dans le jeu, tu peux pas changer. T'améliores. Là, fais gaffe dans le tournant. Faut jamais se foirer. Voilà. On s'en met les couilles. Maintenant, ils sont où les autres? Allez, ciao. Adios. Je suis arrivé hyper premier. Regarde, l'autre est content. Bip, 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 bip. Allez, suivant. Donc là, moi, je veux mon argent. Et on va refaire une courte avec la même voiture. Comme ça, je vais pouvoir mettre... petite course avec une Ford GT LM Spect de test car. Je vais mettre, je pense, une Ford GT. Voilà, une Ford GT LM. À limite. Ouais, on va mettre une Ford GT LM. Ça sera très bien. Comme ça, voilà. Course simple. Comme d'hab, parce que course à deux, il faut être deux, comme son nom l'indique. Moi, clairement, moi, je vais faire ça. Je ne l'ai jamais fait. Comme on peut le voir, enfin, je ne l'ai jamais réussi. Et moi, toutes les courses que je fais en ce moment, hein, avec mes voitures, je réussis tout. Donc là, on va remettre ça, mais je vais faire quelques changements. Oh non, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le changement que je sais même pas comment ça se met. Bah, je vais vous présenter comment on change des choses. Je vais changer aussi les pneus. Ouais. Les pneus, je vais les mettre en dur. Je vais les mettre en dur parce que ça va accélérer mieux. Si je les mets en mou, c'est pour faire du tout-terrain. Ouais, non. Enfin, il faut du moyen. Je sais pas. Clairement, si je fais du dur pour... Enfin, ça dépend quel pneu tu prends après. Parce qu'après, t'as des courses, des drifts, des... je sais pas quoi. Bon, tu peux te dépêcher, Jean-Michel. Hein, l'autre, maintenant, je l'ai réglé son compte, il arrête de tondre. Hein, c'est ma voiture. L'autre, il tondait, là. Il s'est... Quitté, là.
Là, j'ai pas de musique. Tu fais quoi là, Jean-Michel? Mets de la musique. Voilà. Mais non, mais pourquoi il y a tout qu'à quitter là? Putain, Jean-Michel. J'ai peut-être quitté sans faire exprès. Parce que je regarde mon téléphone, mais je touche aux touches en même temps. Putain, bah c'est parti pour tout refaire. J'adore ma vie, Jean-Michel. Et je m'en bats les couilles, je mets en débutant. Oh, je suis vraiment désolée pour cet extrait. Je fais que de la merde. Voilà. Donc, je vais boire un peu d'iced tea. Voilà. J'ai pas mis de placement de produit parce qu'iced tea, c'est toutes les marques. Hein, ça peut être. Bah, je vais pas vous dire. Ça peut être genre une boisson. Une marque. Ça peut être une marque de thé. Ça peut être une marque qui fait vraiment tout, genre un supermarché. Ça peut être aussi un truc de soda qui fait plusieurs sodas, genre comme ceux qui font du, bah je vais pas vous dire, une marque très connue, hein. Bon, du Coca, voilà, option paramètres de la voiture, c'est ça. Radio puissance, attends. Attendez, on va mettre du 5. Comme ça, ça va éviter que le. Voilà quoi. Course, bah je vais mettre des courses, mais du confort. Je m'en bats les couilles du confort. Super tendre. Je vais garder dur quand même. Pneu arrière. Non, pneu avant, il faut du tendre. Du super tendre. Et pneu dur, ça va faire un alliage qui va. Plus, moins. Bah, clairement, je vais faire du moins. Hein. Quoi qu'il attend. Répartition des freins. Frein arrière, comme ça, je vais faire un putain de dérapage. Ça va être magnifique. Hauteur de la caisse. On va vraiment le mettre au max. Arrière. Comme ça, j'ai plus de stabilité. Fréquence naturelle. Ok, attends. Ça, c'est suspension. Vas-y mec, les suspensions, je m'en bats les couilles, mec. Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais là en ce moment. Voilà, après taux d'amorti. Je les fais en 85. Je vais mettre au plus. Je vais mettre au max. Voilà, comme ça, nickel. Ah merde, moi j'étais parti sur du drift, du route. Ah bah merde. Ah oui, bah là il me faut du. Ah oui, j'étais parti. Super tendre. Voilà, donc tous les réglages que j'ai fait. Voilà, donc j'ai tout fait en drift. Super. Voilà, c'est bon, c'est nickel. C'est fait. Quitter. Donc là, la voiture est prête. Tous les changements sont faits. On va pouvoir faire une super route. Déjà, je l'ai abaissé au max la caisse. Donc, avoir une dynamique plus dense. Ça. Putain, pourquoi je pars toujours en drift? C'est les pneus arrière. Ils foutent que de la merde. Eh, Jacqueline, faut pas se mettre chez Michelin. Michelin, c'est de la merde. Putain, je vais te foncer dedans, hein, mec. J'ai pas d'expert. What? Ils sont en groupe X. Oh, c'est qui, là? L'autre, il va s'en... Vas-y, je m'en bats les couilles. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel. Oh, l'autre, il a la même caisse. Procopieur! Procopieur, toi! Moi, je te colle au cul, frère. Non! Je m'en bats les couilles. Toi, je te prends. Pché! De ton cul! Toi, dégage. Non, mais. Deux, trois fois, je fais des petits trucs et ils partent plus loin. Et deux, trois fois, je fais des méga trucs et ils partent même pas. What the fuck? Non mais là c'est des caisses très fragiles, hein. Donc les gens ils préfèrent se casser avant que je leur foute un gros coup, hein. Toi dégage s'il te plaît. Laisse moi passer si tu me laisses pas passer. Non mais toi tu prends la ligne. Moi je prends la ligne, hein, je m'en bats les couilles. Tu vois, c'est ça que je vous avais dit. Un gros coup et ça marche pas. Vas-y dégage. Bim. Deux accidents. Deux pour un. C'est magnifique ça. Regardez.
Les deux là, ils sont dans le cul parce que moi je vais foncer dans un, dans le cul, hein. Je vais foncer dans le cul. Ouais, non, faut que j'arrête mes blagues. Clairement, ça va beaucoup trop loin. Non, ouais, ça va beaucoup beaucoup trop loin, clairement. Vas-y, petit drift. Non, bon, je lui ai foncé dans l'arrière train. C'est pas un train, c'est une voiture, Jean-Michel. Oui, je sais, c'est une expression, ok. Je vais chialer, moi. Oui, donc on va lui coller au cul. C'est le moyen de le dire. Ah non, mais là, je vais bien coller au cul. Hein. Faut que j'arrête mes blagues, clairement. Non, on va le coller à l'arrière-train. C'est une voiture, Jean-Michel. Mais tu comprends pas la blague. Arrête, Jean-Michel. Putain, il y a deux tours à faire. Oh, l'autre est décalé. Dégage. Tu fais quoi, Jean-Michel? La bim, il s'est pris un poteau, il s'est remis droit. Et là, il refonce dans une autre voiture. Oh, l'autre, il s'est chopé tout. Bim. Fred. Voilà, eux, ils ont... Attends. Je sais pas où il est. Merde, moi, je vais foncer des chiens dans les gens. Au revoir, Jean-Michel. Je t'aimais. Putain, pourquoi moi, je regarde en arrière? Je m'en bats les couilles. Personne ne me double. Je suis deuxième. Ah, ok. Attends, je dis. Personne ne me double. Alors, toi, Jean-Michel, tu vas te calmer. Ok, hein, parce que moi, faut que je sois premier pour cette petite vidéo, hein, clairement. Non, mais clairement, pourquoi j'ai arrêté de parler? Je ne sais pas, je voulais dire quelque chose et j'ai rien dit. En fait, c'est resté dans ma tête. Ok. Non, mais clairement, là, je vais trop vite, hein. Voilà, c'est ça que je disais. Eh, bande de sgeg. Là, vous avez pas passé. Vas-y. Toi, tu restes à ta place. Ok? Ta place. Sur deuxième! Ah, mais moi, je suis le professionnel pour foncer dans les gens. Mais eux, ils savent pas se rattraper. Moi, je sais tout le temps me rattraper aussi. Hein. Quand tu joues avec des personnes qui ne savent pas jouer et qui te foncent dedans et qu'après tu fais des carambolages, hein, et ben à la fin tu sais te rattraper. Mais eux, tu leur fonces dedans, tu vas à 10 km/h, ils sont à 1 km/h, ça fait collision, ils se pètent la gueule. Hein. Ah non, mais c'est des grosses merguez. Hein. Ah, des grosses merguez, hein, et pas des grosses. Hein. Pas que des grosses. Des énormes, je voulais dire. Et bah voilà, ça c'est quand t'accélères. Et bah bingo, moi j'ai fait un 360. 360, tu respectes le 360 dans ta life? Oh, le stream va me dépasser là. Je t'emmerde! Ouais, je suis premier! Oh, je suis trop fort! À 0,0. Attends, mec. À combien? À 0,004 secondes. C'était vraiment chaud. J'aurais fait la tête à queue. N'empêche que même pas une seconde avant, c'était fini pour lui. Enfin, c'était fini pour moi, quoi. C'était vraiment chaud cette course, clairement. Voilà. Donc, je vous dis à prochaine pour une prochaine vidéo. C'était CréfoGamer. Tchuss!